Hey, salut, bon matin. Alors comme promis, je suis de retour au Canada pour la version hivernale des carnets des clubs Luki à l'auberge du lac Morancy. Sauf que depuis mon dernier passage en juillet, le décor et surtout la température ont légèrement changé. Juste 40 degrés de moins. Donc là, je vous laisse. Je vais enfiler une tenue un peu plus adaptée, le temps pour vous de découvrir ou redécouvrir en images, mais sous la neige cette fois, ce tout nouveau club Luki. Pour rappel, le club Luki à l'auberge du lac Morancy, c'est déjà une première sur le marché français. Idéalement situé à seulement 45 minutes de Montréal, au cœur des célèbres Laurentides. Indéniablement, une des plus belles régions du Québec. Dans une auberge fondée en 1932, une véritable institution dont la réputation n'est plus à faire. Implantée sur un site exceptionnel et dépaysant à souhait, hiver comme été. C'est un club à taille humaine, de seulement 126 chambres. Aussi typique et rustique que confortable et cosy. Aux prestations excellentes et à l'atmosphère résolument chaleureuse et conviviale. Sans oublier la multitude d'activités sur site possibles en toute saison. Bref, encore une lookalisation réussie quoi. Là, je vous garantis qu'on n'a plus froid du tout. Au contraire, moi j'ai presque trop chaud dans cette combinaison comprenant pantalon, manteau, gants et bottes disponibles dans toutes les tailles et qu'on vous prêtera gratuitement pendant la durée de votre séjour. Bon, maintenant que je suis bien équipé, il me reste plus qu'à rejoindre Thibaut, notre chef de village et toute son équipe pour un petit aperçu de leur programme d'animation qui s'annonce forcément inédit en Club Luki. Allez, c'est parti! Mais les deux activités phares du Québec à tester obligatoirement, et cela directement au départ du club, c'est, vous l'aurez deviné, la motoneige et le traîneau à chien. Et comme on est généreux chez Luki, c'est cadeau. On vous offre une initiation de 40 minutes à l'une ou l'autre de ces activités incontournables. Gabriel, notre délégué à destination, vous proposera évidemment plein d'autres sorties, comme une rencontre avec Carl le Trappeur, ou encore les visites des villes de Montréal, Québec ou Ottawa. Sans oublier avec participation des initiations à la pêche blanche. Et pourquoi pas se laisser tenter par un inoubliable survol des Laurentides en hélicoptère pour prendre toute la mesure depuis le ciel de l'immensité de ces paysages d'exception qui s'étendent à perte de vue. Un relief assez vallonné et des sommets dépassant les 1000 mètres en font d'ailleurs une région propice à la pratique des sports d'hiver. Donc cap vers le mont Saint-Sauveur, un des endroits favoris des Montréalais, à 20 minutes du Club Luki pour un combiné d'excursions trop fun, vous allez voir. Mais avant, petit détour pour reprendre des forces dans la fameuse cabane à sucre Lalande, fondée il y a plus de 100 ans, pour un déjeuner traditionnel gargantuesque en compagnie d'un chansonnier.
Saint-Sauveur, au-delà de ses boutiques outlettes et ses bars branchés, c'est avant tout un des plus grands domaines skiables du Québec. Ouverte depuis 1934, c'est même la doyenne des stations de ski alpin d'Amérique du Nord. Alors ok, avec ses 416 mètres, c'est pas les Alpes. Mais promis, il y a largement de quoi faire. Grâce déjà à une quarantaine de pistes pour tout niveau. Et surtout, 160 jours annuels de ski garantie par un enneigement record de 3 mètres en moyenne. Par contre, ici, il y a deux trucs qu'on n'a pas chez nous. Deux excursions au départ du Club Lucca que vous allez adorer. La première vous emmènera sur le versant Avila du Mont Saint-Sauveur, dans le plus gros parc à glissade de la province. À faire absolument, surtout en famille. Sensation forte garantie, en particulier l'improbable rafting des neiges. Et la deuxième raison de venir ici, même pour les skieurs les plus confirmés, c'est que Saint-Sauveur est une des capitales mondiales du ski nocturne. Avec pas moins de 27 pistes éclairées la nuit, comme dans un stade de foot, on se croirait vraiment en plein jour. Carrément rien à voir avec une simple descente au flambeau. Bon, c'est malheureusement déjà fini. Ravi d'avoir pu partager avec vous cette nouvelle escapade canadienne. Hiver comme été, c'est toujours un immense plaisir de revenir ici et on en repart à chaque fois avec des souvenirs mémorables. Et bien que les activités et surtout le climat soient radicalement différents selon la saison, il y a une chose qui ne varie jamais, l'hospitalité et la joie de vivre de nos cousins québécois. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention mais aussi et surtout pour votre fidélité. Et comme on dit ici, à tantôt dans la prochaine édition des Carnets des Clubs Lucca. Allez, salut! Et au fait, n'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir la version estivale et l'intégralité de mes vidéos en cliquant ici.